Je m'appelle Léna du Shampoing. Je suis fille héritière de Jean-Jacques de la Buse de la Cornelière, ainsi que ma mère Diane, troisième reine d'Angleterre, fille d'Élisabeth. Ma grand-mère est d'ailleurs la reine d'Angleterre actuelle. Voilà, donc je détiens une agence immobilière au sein de Brookhaven et je suis la meilleure agence du monde entier d'ailleurs. Hein, cela dit, c'est un petit peu normal. En même temps, je m'appelle Léna Duchampoing, c'est pas pour rien. Bon, il doit y avoir des clients, donc j'ai rendez-vous avec des clients. Dans pas longtemps, je vais aller m'installer déjà. Hop, on va ranger le PC, on va se mettre là, on va les attendre gentiment. Ah. Bonjour, hein. Je me présente Léna du Shampoing. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Bonjour, hein. Pour avoir une maison. Mais une maison D'accord. assez grande, avec une grosse bibliothèque. Avec une grosse bibliothèque. D'accord. Vous avez Ouais. quel budget? On n'a pas spécialement un petit budget. Proposez-nous et on vous dira si c'est dans nos cordes. Vous Savez, d'accord, nous, on aime bien les d'accord. cordes. Vous faites quoi comme profession dans la vie? Alors moi, je suis sur OnlyFans. Je représente le Laos. Sur OnlyFans, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'apprécie beaucoup OnlyFans. Je travaille depuis longtemps. D'accord, mais j'ai quand même une petite question. Mais qu'est-ce que donc le Laos? Le Laos, je sais, peu de personnes connaissent le Laos, mais c'est un pays avec peu de moyens et peu de personnes. Et j'aimerais que le Laos devienne un pays plus connu et plus aimé par le peuple. Du coup, je représente le Laos avec des drapeaux sur mes D'accord, photos. c'est un peu comme la Belgique, c'est petit et ça sert à rien. Ça sert à rien, exactement. Et vous, monsieur, conjoint à monsieur, d'ailleurs, vous Mais appelez moi. comment déjà? Moi, je m'appelle Mathis. Hein. D'accord, Moi, je m'appelle Matisse. Sébastien, moi. Je sais pas si D'accord. je l'ai dit, mais Sébastien. Enchanté, madame. D'accord, Et enchanté, moi, je donc serai avec des grosses lunettes Sébastien. comme moi. J'ai des lunettes, là. Enfin, je suis un professionnel des lunettes. Je vais faire que ça. C'est mon métier. Je suis opticien. Ah, vous êtes opticien, d'accord, un peu comme Optique Ouais, c'est lui qui 2000, a... hein. Ouais, voilà, c'est moi qui l'ai créé. D'accord, c'est un peu dommage parce que, bon, en général, les opticiens, ils sont censés avoir de belles lunettes. En l'occurrence, ce n'est Des pas belles votre dents. cas. Vous vous moquez Petit Momo. là. Mon Ouais, petit Momo, Momo. viens ici là. Viens te présenter à la madame, Momo. Oui, C'est votre fils? maman. Oui, c'est notre fils. Bonjour, madame. Maman, Qu'est-ce plante. qu'il est? Qu'est-ce Plante verte, maman. Qu'est-ce Oui, qu'il est laid, votre fils? très Qu'est-ce qui s'est jolie plante. passé? Eh ben, sachez qu'il tient de son père. Mais c'est Plante qui son verte, père? maman. Cela Allez, se Momo, remarque. viens ici, là. Je Viens pense ici, qu'il on m'appelle confond, Momo. je pense qu'il confond l'arbuste avec sa mère. C'est déconcertant. Non, Momo, ce n'est pas ta mère, Moi, c'est un enfin. arbuste, Momo. Maman, t'étais. Maman, pas ici, maman, je ne peux. Maman, arrête, arrête, arrête. Maman, enlève pas. Pas ici, maman. Maman, arrête. Sera puni à la maison si tu continues. Excusez-moi, C'est pas madame. grave. Un client est roi, faites comme chez vous, mais pas trop non plus. D'accord, ok. Ben, comme on veut revenons au sujet Cela de vous la dérange maison. pas? Cela vous dérange pas? Non, 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 allez-y, moi Maman, viens. Maman, tu peux. tant qu'on me paye à la fin, faites ce que vous voulez. Hein. Ah, tire-moi fort, tire-moi fort, tire-moi fort, Momo. Tire-moi fort. Tire-moi fort, mon petit Momo. Maman, il n'y a plus Ça fait l'aîné. mal. Mais là, il vous aspire le Momo. téton, ou ça se passe comment? Ah, il me le mordit des fois. Ah, il n'a pas que le téton qu'il a aspiré. Ah, Momo, arrête, arrête de baver, Momo. Momo, retourne voir là. Retourne voir là. Arrête, Momo. Madame, tété, madame, maman a chèque. Bah, allez, tété l'arbuste. Madame, tété. Non, non, Ah, allez, en tété plus, c'est l'arbuste. Voilà.
Ok. Du coup, pour en venir au sujet de la maison, donc vous n'avez pas de budget précis. D'accord, vous voulez une grande maison. D'accord, je ouais. pense savoir ce qu'il vous faut. Donc on va tout de suite aller visiter la maison. Suivez-moi, on y va. A few moments later. Maman. Oh, je crois Maman. Que vous avez oublié quelqu'un. Attends, il est où, Momo? Ah, il y a mon petit Momo derrière. Ouais. Ah, mon petit Momo. Non, mon petit Momo, je le veux. Ramenez-moi mon petit chien-gorge. Oh, un arbuste. Maman. je crois que je viens de percuter Momo. Maman. Mais c'est pas... Non, mon petit Momo. Momo, arrête de jouer ton pain comme j'aime tes. Remonte. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture, mon petit Momo. Ah oh là, c'est sans enfant. Ah, incroyable, allons-y. Maman, arrête de me lâcher là. Arrête. Non, maman, arrête là. Ça suffit là, t'as déjà laissé ta mère. Pas moi. Roméo. Pas devant là. Et nous voici voilà. arrivés. Bon, on va se garer sur la route. Le garage, il s'ouvre pas. Eh ben, écoutez. Ça, c'est déjà un problème. Je n'ai pas encore les clés, d'accord. Ok, maison. Donc voici la maison fait avec. En fait, c'est une ancienne ferme qui a été réhabilitée en un loft. Donc, c'est une belle maison d'architecte, comme vous pouvez le constater. Ah. Donc, on va aller voir. Venez, entrez. Oh, buisson. Maman rentre. Très belle maison, très belle entrée. Regardez comment c'est beau, hein, n'est-ce pas? Ah, oh, j'ai déjà trouvé ma le salon. Ah, j'ai déjà trouvé ma place. C'est voilà, ceci est un loft. Alors, pour vous dire, en plus, ça rentre parfaitement dans votre budget, étant donné que la personne à qui appartenait ce loft, en fait, il a assassiné sa femme de ménage, sa femme et ses trois enfants ici. Du coup, la maison, personne ne veut l'acheter, hein, concrètement. Comme vous pouvez le constater, juste ici dans le frigo, il reste un petit peu des taches de sang. Il avait entreposé le cadavre de sa femme juste là pour le manger. Voilà. Vous pourrez... Du coup, la maison est vraiment à moitié prix comparé à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Alors ici, juste ici, c'est la salle de bain qui, voilà, bon... Oh, rien, mon amour. Il va falloir... on pourra faire des cachotteries ici. Voilà, mais faites juste attention parce que, en fait, le bain, vu qu'il a dissous l'un de ses enfants dans ce bain, il y a encore un petit peu... voilà, le bain a été attaqué par l'acide. Du coup, va falloir peut-être changer la baignoire. Tu vas te laver tout seul, mon amour. Maman, reviens ici. Papier de toilette. Oh, excusez-moi, il reste encore un bout de cadavre dans la cheminée. Hop, on va allumer ça. Voilà, comme ça disparaît. Ok, continuons. Donc juste ici, en fait, c'est le garage. Donc, va falloir réparer le garage. Puisque je pense... En fait, il a utilisé le garage, également la porte de garage, pour assommer son père quand il arrivait. Du coup, ça bloque un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça sera réparé. Voilà, donc petite buanderie ici. Donc, vous voyez, c'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est spacieux, quoi. Moi, j'aime bien. C'est beau. Moi, je trouve ça chouette. Oh, il y a petit chien. Moi, je l'ai acheté. Momo, viens le bouffer. Juste en haut, enfin, vous voyez, il y a les deux chambres, ça vous pourrait voir votre fils. Momo, mais attends, mais Momo, comment t'es monté? Il est où, Momo? Mais que fait votre fils? Momo? Il joue à cache-cache. Oh, non, je peux te laisser. Laissez-le, il fait des choses d'homme. Ouais. D'accord. Et tu prends le papier toilette. Hop. Et juste en face, une autre chambre avec, regardez ce magnifique dressing, quand même, c'est étonnant. Oh, vêtements. Maman, arrête de baver sur tout. Fais pas comme ton père. Ah ouais, moi j'aime bien baver. Voilà, donc... Spaghetti, d'accord, vous lui ferez des spaghettis, hein, à votre fils. Madame, spaghetti sur la tête. Non, laissez mes cheveux, ce ne sont pas des spaghettis. Vas-y, aspire-les, Momo. Non. Vas-y, Momo, attaque, Momo. Vas-y, Momo. Là, je casse de la maison, mais là, c'est la nôtre. Votre fils n'est pas un Pokémon, voyons. Bon. Momo, attaque, lance-flamme. Momo.
Regardez ce magnifique jardin. Voilà. Ici, vous pourriez faire une grande piscine. Ici, vous avez effectivement un sauna. Ah, très bien ici avec maman. Et là, petit coin barbecue. Un peu ouais, je fais griller des grosses saucisses. Hein. Moi, j'aime bien. Une panne de grosses saucisses. Ouais. Maman. Attends, remplis Momo là. Il est où, Momo? Maman. Votre fils est en train de décéder dans le jacuzzi. Ce sera le cinquième meurtre. Dégage, Momo, moi je te claque, moi. Dites-vous quand même qu'une chose, si Momo serait mort dans le jacuzzi, il serait fait la cinquième victime de cette maison en 3 mois et il aurait fait baisser le prix de la maison. Hein. Je dis ça, je dis rien. Prenez cette information comme vous souhaitez. Toi, t'as un mauvais père, toi. Sache-le. Et toi, t'as un mauvais père. Tu le gardes pas en vue. T'as déjà failli tuer notre fils. Et toi, t'es même pas allé le protéger, quoi. T'es même pas resté avec lui. Il est où là, Momo? Regarde, il est où là déjà? Regarde. Mais tu sais pas devenir mon enfant. Momo, c'est ton enfant aussi, je te rappelle, hein. Il est où, Momo? Momo! Il est où? Super, Momo! Il faut chercher Momo maintenant. Momo, il est où, Momo? Mais ça, c'est toi, hein. Maman. Pas le faire. Momo! Super, Momo! Oh, il est dans la montagne, votre fils. Il va se Momo, redescend. Là, je mets des grosses claques. Momo, sache que tu peux sauter. Yes, Momo, saute, Momo. Ah, tu as sauté, t'as vu? T'es un mauvais. T'as vu, tu vas se faire. Non, Momo, tu ne sautes pas. Momo, tu sautes voilà. Et je te tape. Maman. Maman. Là, tu vois, j'ai des plantes pour toi là. Au pire, mettez-vous en dessous et rattrapez votre fils quand il va sauter. Maman, mamie. Non. Ce n'est pas mon rôle. Allez, saute là. On saute, on t'attrape. Momo. Voilà. Moi, je voulais pas attraper. Hein. Magnifique. Jamais tu fais ça. Momo, viens ici. Momo, attends. T'as vu? Il part déjà. Attends, la lettre que j'ai dans mon sac. Attends, attends, non, ça c'est pas ça. Non, ça c'est le cornichon. Non, attends. C'est la laisse. Momo, viens ici, Momo. Momo, attrape ton fils. Hein. Momo, viens vas-y, ici. Vas-y, attends, j'arrive. Viens ici, Momo. Moi, si tu viens pas ici, je te donnerai plus de plans. Momo. Et bien, Momo, tu es là, Momo. Momo, arrête. Momo, c'est attrapé. Momo, je te jure, je vais t'attraper, je mets tes claques. Tiens, Momo, je te mets la laisse. Ah là, t'es attaché. Allez. C'est la laisse que maman cherche à papa. Ouais, mais ça faut pas le dire. D'accord. Du coup, que pensez-vous de la maison? Très bien. Attends, vous l'achetez, hein? Moi, je suis satisfait, moi. Arrête. D'accord. Donc, le prix de la maison est à 666 666 dollars. À côté 6. Oui, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. C'est sûrement une coïncidence, bien évidemment. Sachant que cette maison est également positionnée sur un ancien cimetière. Et également, les coordonnées forment plein de 6. Mais bon, ça doit être sûrement et très certainement une coïncidence. Bien évidemment. Oui. Maman. Oui, Momo, je suis d'accord avec toi, Momo. Hein. Momo, il veut acheter la maison. Tam-tam ici, maman. Ouais, arrête avec tes amis. Et tam-tam, les tam-tam partout, maman. Je prendrais bien cette belle maison. Il y a des tam-tam partout. Oh, bah parfait, maman. Donc allons juste signer les papiers. Maman, et puis cette maison vous appartiendra à votre belle et magnifique petite famille. Est-ce qu'on peut voir les clés? Est-ce qu'on peut voir les clés? Bien évidemment. Montrez-nous les clés, s'il vous plaît. Bon, arrête. Et tam-tam ici. Bon, arrête. Il flotte partout. Voilà, vous merci, avez madame. Les clés. Merci. Bon, bah, madame, vous voulez pas quitter la maison, s'il vous plaît? Ouais, qu'on fasse un état des lieux un peu. On arrive dans la voiture d'ici peu. Madame malfaisante, madame. Maman. T'as fermé.
Madame Diabolique, maman. Fermez. Ah, ah non, arrête, arrête, on ferme. Non, le garage il marche pas, c'est vrai. Faut fermer les portes, on met une corde ici. On va faire la clé. Madame, regarde mal, maman. Diabolique. Crache dessus. Votre fils est en train de baver sur la vitre de la porte. Là, ne me dérange pas, c'est notre maison maintenant. Moi aussi. Non. Slash me, ferme la porte à clé. Hein. Vous oubliez que j'ai le double des clés. Maman, arrête. Maman, viens ici. Maman. Arrête ton fils. Hein. Des fantômes de la météo. Occupe-toi de notre enfant. Moi, je vais venir, madame. D'accord, bah venez, on va signer les papiers. On va signer les papiers, bien sûr. Allez, venez, hein. On y va. On va signer les papiers. Allons signer les papiers. Voilà. A few moments later. Ok, donc voilà, je mets à votre nom, donc Sébastien. Et comment s'appelait votre conjoint? Il s'appelle Mathis. D'accord, monsieur Mathis et monsieur Sébastien, ok, tout est dans l'ordinateur. Vous pouvez juste signer juste là et cette maison vous appartiendra, allez-y, hop. Prends le papier, hop, je signe, tenez madame, tenez. Et merci bien, bah écoutez, agréable vie dans votre superbe maison diabolique. Je vous souhaite beaucoup de courage avec votre fils. Votre conjoint, ah, merci bien. C'est pas facile tous les jours, mais merci bien. Je peux vous faire la bise? Oui, bien sûr. Mouah. Au revoir, madame. Au revoir.